Chalands-en-Blanc face à Saint-Étienne pour cette dernière apparition sur la moquette de la salle Michel Vrignot. Les Vendéens ont à cœur d'effacer la courte défaite concédée en terre stéphanoise et de mettre tous les atouts du côté du club pour se qualifier en coupe au Corach. Après 5 minutes de jeu, Chalands 19, Saint-Étienne 10, Berval de 14 de Chalands étant crédité d'un 100% de réussite. Le jeu est très agréable avec des prises de risque de part et d'autre qui permet aux spectateurs de vibrer. 34-29 après 10 minutes de jeu, puis 51-36 après le premier quart d'heure. Cette première mi-temps s'achève mal pour Saint-Étienne, puisqu'Irving, contestant une décision de l'arbitre avec véhémence, est expulsé du terrain. Il est certain que les 14 points inscrits par ce joueur en première mi-temps vont manquer à Saint-Étienne en seconde période. En seconde période, justement, Michel Gomez fait tourner ses joueurs et Ernie Signard, qui rejoint le banc de touche, est longuement applaudi, le joueur quittant Chalands à la fin de la saison. Chalands contrôle parfaitement le jeu. Berwald, avec 35 points, se montre le meilleur réalisateur de la soirée. Et finalement, Chalands l'emporte par 118-100 au terme.